En vrai, en plus vous savez que voilà, côté intelligence, je compte pas vraiment sur le JS. Je mets pas d'intelligence dans le JS. Parce que je préfère que l'intelligence soit côté serveur, au moins on a la main. Après, il y a ça que je peux faire aussi. Enfin, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça peut être intéressant de le faire? C'est là rapidement, j'ouvre un serveur PHP sur ma machine. C'est juste une ligne de commande dans le terminal Windows, hein, c'est pas compliqué. Et avec un petit script PHP, et je fais communiquer le jeu avec ce script. Le truc, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est du traitement de données, bien évidemment. Parce qu'après, ce que je peux faire, enfin ce que je peux faire, ce qui est très simple, hein, c'est je peux renvoyer juste ce truc-là. Je le renvoie à un script PHP qui lui va faire les modifications et me renvoyer la réponse. Et après, j'ai plus qu'à faire mon DB put pour le mettre dans la save et reload le jeu. En fait, tout ce traitement-là, si je veux, je peux l'exporter dans un script PHP qui tourne sur ma machine, en fait. Je peux le faire, quoi. Mais bon, autant rester dans le jeu, parce que l'objectif, c'était ça, hein, c'était de faire, c'était de pouvoir craquer le jeu dans le jeu. Donc voilà. Bon. Bah là écoutez, ben ce que donc du coup ben là ce que je fais c'est que j'attends la réputation. Je voulais voir un truc rapidement, c'est ah non, je les ai pas encore. Bah oui, je les ai pas encore les Black End là ou je sais pas quoi. Enfin, The Black End. The Black Hand, c'est Hand, c'est la main noire. Je j'ai pas encore la faction. Il faut que je sois niveau presque niveau 400 je crois, c'est ça, ou 407, un truc comme ça, pour ouais c'est ça, c'est niveau 407 pour pouvoir avoir accès à la manoir. Bon. On peut pas découvrir d'autres factions, c'est un petit peu. Parce qu'après, il y avait. C'était là, hein, il me semble. C'est ça. Ici, là, j'ai. Non. Global Pharmaceutical. D'accord. Non, c'était pas là. Je me suis trompé. Après, ici, il y a le Noodle Bar. C'est ça qui me fait marrer, c'est que ici, il y a le Noodle Bar. Oh! Backdoor. Parce que la backdoor est installée, que je peux. Bon, c'est toujours aussi compliqué ce truc-là. Il y a ce truc-là. Allez, on va essayer. C'est quoi ça? J'ai pas compris. C'est le truc, c'est que ça, c'est des jeux de rapidité. Et j'ai pas compris. J'ai pas compris! J'ai pas compris! Ça va trop vite! Ça va trop vite, j'ai pas compris. Non, c'est chaud. Pour s'infiltrer et tout, c'est chaud.
Là, j'ai pas compris. Honnêtement, c'est compliqué. Après, on n'a pas vu hein, tout ce qu'il y avait. Real Life. D'accord. On n'a pas vu hein, tout ce qu'il y avait dans le jeu. Il y a des trucs, notamment en Amérique du Sud. Là, il y a un casino. Il est où? Il est là. Oh, Avum. Ben bon, d'accord. Mais il y a un casino ici. Si on veut jouer au blackjack, à la roulette, ce genre de choses. Toc toc toc, c'est quoi ça? Ok, d'accord, ça c'est pour acheter. Corp. Ok. Et du coup, j'ai une nouvelle faction? Exact, Avum. Le PC Matrix. Il faut que j'ai 100K et plus 7% de skill sur le charisme, sur tout ce qui est crime, mais je m'y attaque pas pour le moment. Les réputations. Et je commence avec le Deep Scan V1 et l'Autolink. Ça peut être pas mal ça. Ah puis putain et puis j'ai pas vu, il y a la Work Money aussi. Mais start with Deep Scan V1 et Autolink dès le départ. Ça j'aime bien. Ça j'aime bien, oui. Ok. On va essayer de faire ça au cours de cette run. Faut 2 millions. Après l'argent n'est pas un problème, c'est juste qu'il faut atteindre les 100K de réputation. Et donc ça, bah faut travailler pour le, enfin faut lancer donc le travail pour les factions. Après ça peut se hack aussi, hein. Mais on va pas le faire. On va pas le faire. Je suis désolé. On va essayer que le jeu soit un poil légit quand même. Et on va essayer d'aller le plus loin possible dans ce jeu que franchement j'adore. J'adore même si j'ai encore du mal avec ES6. Mais ouais, faut que je lise une documentation sur les promesses pour savoir comment fonctionnent les promesses et tout. Parce que c'est vrai que même moi, dans ma vie de développeur, faire des promesses plutôt que de l'Ajax, ça serait mieux. Parce que je fais encore de l'Ajax de nos jours, ouais. En 2022, alors là, au moment où je tourne, on est encore en 2022. Je sais pas quand est-ce que cette série sortira. Mais je code encore en Ajax. Enfin, je fais encore de l'Ajax dans mon JS. J'utilise jQuery, hein, donc je fais de l'Ajax. Voilà. Je sais, c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est trop lourd pour le réseau. Les promesses, ça permet d'économiser des requêtes réseau. Ça, je le sais, je connais le principe. Mais j'ai jamais usé, j'ai jamais utilisé. Du coup, voilà. Bon, ben, de toute façon, là, on est un petit peu coincé. Mais si, je voudrais vraiment, c'est qu'on découvre quelques factions supplémentaires. Je sais pas, je visite un petit peu. Peut-être en visitant. Ça c'est marrant que. Quand les compagnies sont hackées. Putain, on peut acheter des serveurs de 128 Go ici. Pour faire tourner des gros scripts. Mais on n'a pas besoin de ça pour jouer au jeu. Enfin. Je pense pas qu'on ait besoin de ça pour jouer au jeu, quoi. Enfin, c'est ouf. Software consultant. Nova Medical, ouais. Ouais, la Travel Agency, mais on va rester là. Et surtout, il y a le glitch, là. Allez, on va juste acheter ça pour voir un petit peu ce qu'on peut faire.
D'accord, j'ai plus d'infos. J'ai plus d'informations. Mais la question, c'est l'API. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas. Ça c'est une partie du jeu, j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie de m'y attaquer. Après, il y a un lien là. Investopedia. Qu'est-ce que ça raconte? Oui, bah c'est le. D'accord, c'est la documentation du stock market. Ouais, bah, je l'ai parcouru rapidement, mais compliqué. C'est compliqué. C'est pas mon délire. J'en doute pas que c'est super intéressant, hein. Mais ça, c'est un truc qui me parle, mais pas du tout, quoi. Automating the market. TIX API. Ah, et puis bien sûr le TIX, la TIX interface en plus elle est sur le GitHub, elle est pas dans la doc du site. Donc on peut acheter. On peut faire des calculs, donc ça veut dire qu'on peut faire des simulations. Putain, mais les mecs vont loin quoi. Comment ça marche? D'accord, tout simplement. Ah oui, puis je devais faire ça moi. Je devais lancer le NS Exploit. Terminal. Normalement, si je fais TestJS. Quoi? Non. Ce jeu me rend fou. Ce jeu me rend fou. J'y étais dans les trucs. Tac 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 source. Oh merde. Oh merde. Oh c'est. Oh ce jeu il est dingue. Parce que ça, j'avais vu. Enfin, ça, alors, ça, honnêtement, c'est en tombant sur Internet que j'ai vu que voilà, on pouvait taper exploit. Et je savais, hein, je savais que c'était lié au dossier exploit du truc. Mais ça veut dire qu'en fait, je peux utiliser. En fait, tous les source files, ils sont là, en fait. Il faut juste que je trouve les bons. Il est où exploit? Il est où exploit là? Je l'avais. FE exploit. Du coup,
Si je fais... Uncliquable. Hop. Ouais, je vois pas pourquoi j'ai fait ça, c'est pas grave. Je fais appli. Exploit. Avec un S. Et ns.loop. Loops. Si je lance ça va me lancer 4 source files supplémentaires, c'est ça? Unclickable is not a function. D'accord, donc ça ne marche pas. Ou alors je me suis trompé en l'écrivant. Mais c'est là. Putain! C'est tout con! Mais ça, il faut que je le fasse dans le jeu, je suppose. Si je le fais dans la console, ça marchera pas. Du coup, faut que je fasse un. Je vais l'appeler UC pour une cliquable. Est égal à document. Point. Get. Élément by ID. Attendez, je vais essayer ces deux. Hop. Regardez le truc. Est-ce qu'il y a moyen de. Élément by ID, donc ça s'appelle hop cliquable, virgule, ok. Du coup, il faut que je mette un triggered, c'est-à-dire que je fais un UC point. UC. Un clic. Non. Et là, il faut que je rentre un objet.
C'est dans l'objet que je peux mettre le fameux attribut Event is Trusted. Ça, il faut que ça existe. Putain, il me le propose en plus. Et si je fais ça, ça fonctionne. Le console log, faut que je le... Qu'est-ce qu'il me dit? Destruction. C'est-à-dire que j'ai jamais vu cette erreur. Pour moi, c'est ce... remarque, je peux le raccourcir comme ça. Je peux faire ça, tout simplement. Ça c'est censé fonctionner. Get document, get element, bah, il y a dit on click. Event target instead of element react mousse event. Oui, donc ça c'est bon. Je suis un boulet. Je suis un boulet. Je sais pourquoi ça marche pas. C'est un objet. C'est pas un. C'est le égal qui marche pas. Ok. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Pourtant, je suis quasiment sûr que ça marche. Enfin, pourtant, je suis quasiment sûr de moi, quoi. Enfin, c'est... Deux points. Indefinite. Est-ce que je l'ai ou pas? C'est dans mes stats. Non, c'est pas dans mes stats, c'est dans mes augmentations. Non, je l'ai pas. Faut que je trouve ce truc-là. Juste en attendant rapidement. J'ai le niveau 270 du coup. Johnson Ortho, on peut rapidement le... Le backdoor et on retourne au home après. D'accord. Bon, vu que c'est encore une histoire de promesse, je peux pas lancer le home derrière, mais c'est pas grave. Du coup. On va faire autre chose. Il y a quelque chose qui m'échappe, et quand quelque chose m'échappe, il suffit de le décomposer.
Il me l'a retourné en HTML. Ce qui est logique. Je vois un truc là, c'est bizarre, mais il n'y a pas le on-click. Le on-click, il est... Comment ça se fait? Dans le code source, le on-click, il est là. Mais il n'est pas dans le... Dans le code du jeu. Faut le rajouter ou... Comment je peux faire ça? Ça tout bêtement. NS unclickable peut-être. Non. Je sais pas s'il faut mettre NS ou pas, du coup on va le mettre. Cable. Voilà, comme ça, on définit la fonction ici et on met le onClick ici. Enfin, on lance le onClick après. You see, onClick is not a function. Ça c'est bon, le listener c'est un clic. Donc on a c'est clic tout simplement. J'ai un doute. Non, c'est un clic. Et là on remet le syncable. Si on fait ça.
Mais merde! Ça marchait, ça! Si je mets le UC. Après. Ça l'a pas rajouté. Ah, c'est raide. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, chef. C'est compliqué. Je sais pas si le... Comment? Si ça, là, React Moose Event, je sais pas si React modifie le comportement. C'est un clic, quoi. Putain, c'est un clic à faire. J'ai fait ça des centaines de fois. Je veux dire, simuler un clic sur un élément, c'est pas compliqué, quoi. Nom de Dieu de bordel de merde, c'est... Ah d'accord, j'avais pas vu ce genre qui avait ça. Ça y est, c'est en temps normal? Ah ouais. J'avais pas vu que... C'est nouveau ce nom? J'avais pas vu qu'ils avaient rajouté le visuel de code. Ça c'est quand on a un très très long code. C'est assez pratique ce truc-là, c'est vrai. Oh, c'est compliqué, chef. C'est compliqué, chef. Pourtant, c'est un simple clic, hein. Faut juste simuler un clic et lui donner en argument isTrusted true. C'est ce que dit Discord, hein. J'ai encore lire du JS, quoi. Je veux dire, même si c'est de l'ES6, que j'ai du mal avec l'ES6, ça pour le coup ça existait déjà en ES5, ça. Genre de choses. Target, c'est un tout à fait mort. Mais oui, mais je suis sur l'UC, donc c'est bon. J'ai pas fait d'erreur. Non, j'ai pas fait d'erreur sur une clickable, c'est bien le bon truc. Mais je sais pas pourquoi. Là, dans le code source, il y a le onClick qui s'affiche, mais pas dans le jeu. Il est toujours, on est d'accord que il est toujours dans le. On est d'accord qu'il est toujours dans le.
Oui, elle est toujours là. Est-ce qu'il faut le modifier? Ben là je sèche. Là je sèche, je ne sais pas, je suis démuni là. Ça c'est censé marcher. Et ça ne veut pas. Vous savez quoi? Fuck it. J'en ai marre. Là, pour le coup, j'en ai marre. Une seconde, je regarde un truc. Je regardais juste rapidement dans les. C'est quoi ce truc? Il y a un achievement, il faut que je vide un serveur de tout son argent. Donc il faudrait que je fasse aucun gros dessus. Peut-être marrant ça. Mais bon. Enfin, soit que voilà, je suis dans les achievements. Voir si s'il y a un truc. Click the uncliquable, mais je fais que ça, que de lancer des simulations de clics dessus. Attendez, j'ai mal lu le code? Attendez, je pense que j'ai mal lu le code. Non, il faut obligatoirement qu'il soit en display none et en visibilité hidden. Hein. S'il est pas en. Si je supprime ce style-là, ça n'est plus valide. Enfin, ce n'est pas valide.
Donc là, je suis sur un forum, ils disent de bien utiliser OnClick. C'est compliqué. Là pour le coup, ouais, non, ça marche pas ça. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. C'est un mec qui parle sans savoir. On les reconnaît. On les reconnaît. Non mais vas-y frérot, vas-y carrément. Le mec il vient de poster, enfin le mec il poste un script pour finir le jeu en a copié-collé. Ça sert à rien. Dans ce cas le jeu n'avait plus aucun intérêt, je veux dire, non, faut pas faire ça. Ça utilise la commande eval. Et j'ai vu que oui, ça existait, mais non. Non, alors ça. Ça, c'est de la merde. Ça, frérot, c'est de la merde. Ça, franchement, d'avoir posté ça, t'es vraiment idiot. Parce que ça flingue le jeu. Attendez, par contre, je tombe sur un truc là. Hein, comment il a fait ça, le mec? Mais. Mais what? Non mais y en a, c'est des génies, c'est pas possible! Mais comment ça. Je savais pas que c'était possible ça. Attendez. Y a un mec qui arrive à lancer un interpréteur Python dans le jeu. Mais Python. Bah, si, y a eu un serveur Python qui a existé, mais c'est. Mais Python, ça a jamais été un langage web. Enfin, il y a eu un. Mais what? Comment ça. Non, c'est une simulation. C'est une simulation d'interpréteur Python. C'est pas possible de. What? Ah non, il y a des mecs qui me flinguent. Y a des mecs qui arrivent à me flinguer. Et ouais, ok, d'accord. Oui, d'accord, ok. Donc si, c'est ça. C'est un script JS qui interprète du code Python. Ok. D'accord, ok. Ah oui, donc le mec il importe une librairie. Tranquille. Au calme. Et il peut coder en Python dans le jeu. Ok, super. Ça c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire.
C'est la preuve qu'on peut tout faire avec le jeu. On peut même rentrer à notre langage de programmation, nom de Dieu. Merde. Est-ce que j'importerai pas php.js? Il y a un... Alors, il y a deux librairies sur Internet qui existent, qui s'appellent php.js. Locutus est aussi une sorte de php.js, mais là, c'est encore pire. C'est c'est justement une librairie en JS qui permet d'interpréter du code PHP. C'est méga violent, hein, comme truc. C'est méga violent. J'hésite à implémenter ça dans le jeu parce que c'est faisable. En vrai, vu que ce jeu est une page web, est une énorme page web, et qu'on a accès à quasiment tout, on peut implémenter des trucs, on peut rajouter des modules, en fait, on peut faire du mod dans le jeu. On peut carrément faire du modding dans le jeu sans problème, quoi. En vrai, pour vous donner l'idée, hein, tout simplement, c'est vu que. Ah, désolé pour l'avion qui passe, mais hop. Si là j'avais envie de rajouter hop. Non, attendez, hop. Voilà. Si je veux changer ce que je veux, quoi. Enfin voilà, on peut modifier comme on veut. Et donc notamment ici, notamment, résultat, dans le HTML, on peut insérer du JS. Et si on insère du JS, et ben on apporte des on apporte de l'intelligence, quoi. On apporte des librairies et on apporte ce qu'on veut, quoi. Donc on peut même, au-delà de craquer le jeu comme je l'ai fait, on peut aussi modder le jeu. Et là c'est ouf. Et là c'est juste ouf. Et le pire c'est que vu qu'on a de toute façon carrément un script editor dans le... Un IDE, hein, simplement dans le jeu, on peut même faire un mode de jeu dans le jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de sortir son propre IDE, on peut utiliser le pseudo VS Code qu'il y a dans le jeu. C'est marrant. C'est extrêmement marrant, c'est génial. J'adore ce jeu, putain. J'adore ce jeu. Aïe aïe aïe. Bon, ça résout pas mon problème de unclickable là. Contexte. Use player. Pourquoi c'est pas d'accord? Ouais, là je sèche. Je sèche, je sèche. Attendez une seconde. Il y a un truc qui va pas là. Si je fais ça. Que je relance du coup mon clic. Alors on va essayer avec le un clic. Non, 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 il ne veut pas.
Non, mais il y a un truc qui m'échappe. Il y a forcément un truc qui m'échappe. Il y a forcément un truc qui m'échappe. Je vais bien finir par trouver. Je vais finir par trouver, hein, il n'y a pas de... Aïe, aïe, aïe. Bon, on va essayer de trouver notre source. J'ai un truc. Il y a un mec qui met un code là. On va essayer ça. Alors, si ça marche, en plus, j'étais vraiment pas loin. Lui, il passe par... Il passe par un truc objet qui... Mais ça sert à quoi ce truc? Attendez. Donc lui. Attendez, parce que son code est un peu différent du mien. Je vais essayer d'adapter. Mais en gros. Donc lui, il fait un UC. Enfin, ouais, alors moi je fais un UC machin, mais lui il fait. Non, alors moi l'event listener, faut que je le supprime. Et en gros, lui il fait ça. Handler égale. Alors sans une clic, moi c'est UC. Ah oh putain, fallait mettre la target. Fallait remettre la target, mais je l'ai déjà. Enfin, c'est. Ça fait quoi ça? Object key. Object. Object. Object constructeur. Il recrée un objet. Attends, string pointer. Donc il sort. J'essaie de comprendre. Hein. Faut comprendre. Si ça marche, j'aimerais savoir pourquoi ça fonctionne. Parce que je connais pas ça, Object Keys. Handler is not defined. Ouais, ok, d'accord. Mais. Ouais, bah oui, du coup, vu que c'est pas défini, il est pas arrivé jusqu'au. Toc, toc, toc. Putain, en effet, ça retourne une fonction.
et ça retourne la fonction, et je suis sûr que cette fonction correspond à unclickable. C'est ouf. Mais attends, mais comment il a trouvé ça, le mec?